Bon, et là, on va où? C'est la course de Gagarine, c'est ça? Oui. On va essayer de la rattraper. Ici jusqu'à Gagarine. Jusqu'à là où Gagarine il est mort. Ah ouais. 7 km. 7 km. Allez, go, c'est parti, on les rattrape tous. Take a picture you could never recreate. Not a song, make a note. Allez, Dima. Allez, Dima. The love, change the scene. Allez, dis les derniers mètres, enfin les derniers kilomètres. Combien de quoi? Je sais pas, peut-être 2, 3 on a fait, non? Ouais, je pense qu'on est au tiers là. Hein? Mais c'est joli, hein? C'est super. Maintenant on sait qu'il y a une super piste ici, ouais. Allez, vas-y, parce qu'on n'est pas là que pour se promener quand même, on est en train de faire une course. Hein. Non. Ça va, Dim? Tu crois qu'il y a encore quelqu'un derrière? Non. Je crois pas, hein. Je crois qu'on est les derniers, là. Nicolas, on ne voit même pas devant. Ouais. Lui, il speed, il fait la course. Et nous, pourquoi on se ferait pas un petit casse-croûte, là? Qu'est-ce que t'en dis? T'as ce qu'il faut? Ouais. Allez, je crois que c'est le moment. Non, hein. C'est je vois qu'il faut pas te le dire deux fois. Hein. Hein. Ça m'a l'air bien comme coin là pour un petit casse-croûte. Allez, Dim! Je pense qu'il reste plus que 5 ou 6 km. Ah, c'est une piste quoi. Hein. Mais il n'y a plus grand monde qui passe là, hein, parce qu'il commence à trop neiger. Là, il y a Dim au fond. Attends, Nicolas, on est en train de faire du ski là. Ça fait 2 heures qu'on est là-dedans là. Dim! Allez, vas-y, va se protéger dans la forêt. Ça y est, on est arrivé finalement. C'était l'aventure, hein. Salut. Ça va, Dim? On dirait que t'as un casque. Ouais. Bon, c'était que 7 km, mais nous, on a eu l'impression que ça en faisait 20. Hein. Il est où, Nicolas? Hein, Nicolas? Combien de kilomètres t'as fait? 25. Au moins 25. Hein. Bon, c'est dommage, j'avais pas de carte mémoire pour. Bah déjà, j'avais pas de batterie. Et bah, en arrivant, il y avait le mémorial de Gagarine. Mais on reviendra, je vous ramène encore un jour. Et ouais, un peu plus chaud. On refait, mais sans les 7 km, ok? Oui. Ça va, tu maîtrises chérie là? Attention, il y a une bagnole là. On n'y voit rien du tout. Tu vois que ça sert les phares? Ouais, ouais, je comprends à quoi ça sert les phares. Ouais. On voit pas grand chose. Hein. Là, c'est la route principale là? Ouais. Oula! Et qu'est-ce qui se passe là derrière là? Il y a, on dirait, une petite dégustation. Hein, c'est quoi que tu manges, Dim? C'est halabushki. Tu peux expliquer ce que c'est, les halabushki? C'est une sorte de crêpe épaisse. Ouais, mais c'est fait avec quoi? Avec la même pâte que les crêpes. Ouais, mais c'est surtout fait avec le lait de chèvre de la maison. Ouais, et qu'on fait un peu fermenter, ouais. C'est ça, Nicolas? Combien de temps on fait fermenter? On laisse le lait quoi? 2 jours, 3 jours? Le temps qu'il devienne un peu fromage. Ouais. Ou le yaourt. Ouais, voilà, exactement. On en fait du yaourt et après on fait les halabushki. C'est comment? C'est comment après 7 km de surfon dans la tempête? Ok, vous faites goûter? Ah, c'est l'autoroute là.
Ah, c'est la 3 voies là. Deux voies, il n'y a jamais 3. C'est deux voies. Deux voies.